Coucou les petits amis! Joyeux Noël, petite taupe! Dorian l'Allemand et Claire Frossard. C'est la veille de Noël. Collée à sa fenêtre, petite taupe regarde la neige tomber. Elle soupire. Que va-t-elle faire de cette longue journée? Soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? Quelle bonne surprise! C'est Jojo le blaireau et Jean Lapin. Entre eux, il y a, oh, un beau sapin. On a pensé qu'un sapin de Noël, ce serait joli dans ton salon. Dit Jojo. Ravie, petite taupe aide Jojo le blaireau à installer l'arbre de Noël. Mais soudain, qui frappe à la porte de la petite taupe? C'est Milly Mésange et ses petits. Bonjour, petite taupe, dit Milly. Avec les enfants, on a fabriqué ces boules de Noël pour toi. J'espère que tu les aimeras. Pour les remercier, petite taupe les invite tous à goûter. C'est alors que... Qui frappe à la porte? C'est Jules, l'écureuil. Il tient entre ses pattes un gros livre. C'est Noël demain, dit-il. Alors je me suis dit, je vais aller lire un conte à ma petite amie. Très émue, petite taupe le fait entrer, mais elle s'inquiète. Est-ce qu'il y aura assez à grignoter pour tout le monde? À cet instant, qui frappe à la porte de la petite taupe? C'est Léon, le hérisson. Il apporte à petite taupe un cake au potiron. Je l'ai fait cet après-midi pour ma petite taupe préférée, dit-il. Joyeux Noël! Cela tombe bien, applaudit petite taupe. Tout le monde a très faim. Tandis que Jean Lapin découpe le gâteau, petite taupe prépare des verres de sirop. Tous sont impatients de goûter. Mais soudain... Oh, mais qui frappe encore à la porte? C'est Léo la grenouille et Clara Mulot qui se sont fait tout beaux. On est venu t'inviter à dîner, dit Léo. Pas question que tu sois seul pour le réveillon. Petite taupe les remercie et les fait entrer. Les deux amis en restent bouche bée. Ah ça non, petite taupe n'est pas seule dans sa maison. C'est enfin l'heure de se régaler. Les gâteaux à la noisette de petite taupe sont merveilleux. Et le cake au potiron délicieux. Mais soudain... Qui frappe à la porte de la petite taupe? Ah, c'est le loup! N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal, fait le loup tout doux. Je voulais juste souhaiter un joyeux Noël à petite taupe. Et il lui fait un gros bisou. Quelle douce nuit! Dans la petite maison, tout le monde est réuni. Petite taupe est au paradis. Joyeux Noël, les amis! Le bruit s'est enfui. Et mon histoire est finie. Au revoir, les petits amis!